Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie, dans laquelle il sera question de communication sans fil. Après avoir fait une petite présentation des modules XB-S1, nous entrons aujourd'hui dans le vif du sujet avec un tutoriel sur comment les utiliser pour transmettre des données sans fil. Vous vous doutez bien qu'aborder tous les points concernant l'utilisation des modules XB en une seule vidéo serait plutôt long et fastidieux. Alors nous avons tenu à les diviser en une série de tutoriels plus courts et plus digestes. Pour ce premier tuto, il sera question de comment configurer les modules pour qu'ils communiquent entre eux avec deux méthodes, en utilisant les commandes AT en premier lieu, puis avec le logiciel XCTU. Et pour illustrer la communication entre les modules, nous vous montrons comment mettre en place un simple chat entre les modules. Avant toute chose, il faut parler des modes de fonctionnement du module XB. Il existe deux modes de fonctionnement pour les modules XB. On a en premier lieu le mode AT ou bien le mode transparent, où les données sont directement envoyées et reçues par les modules. La configuration du module s'effectue par le biais de commandes AT, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le deuxième mode, quant à lui, est le mode API, où il faut fabriquer ses propres trames et les envoyer au module. Ce mode est plus puissant et rapide, mais nécessite plus de programmation et un firmware de type API. Ce mode fera l'objet d'une future vidéo. Comme précédemment cité, dans cette vidéo, nous allons traiter que le mode transparent ou bien le mode AT. Pour ce faire, il nous faut connecter le module XB avec le PC. Puis nous allons utiliser un hyper-terminal pour communiquer avec lui via une liaison série. Nous allons maintenant voir comment connecter notre module XB avec notre PC pour pouvoir le configurer. Nous allons maintenant voir comment connecter notre module XB-S1 avec notre Arduino Uno ou bien tout autre Arduino. Donc pour commencer, on va prendre le shield. Dans notre cas, c'est un shield de chez Citron Technology. Et on va connecter à cet emplacement notre module XB. Voilà, c'est bien connecté. L'autre point à prendre en considération est le mode d'utilisation, car dans ce shield, on a différents modes d'utilisation. Le premier mode est USB-USB, qu'on sélectionne avec des jumpers qu'on connecte à ce niveau. Le mode USB-USB permet de communiquer directement via notre PC à notre carte XB sans passer par l'Arduino. Ce qui est nécessaire pour la configurer ou bien l'utiliser en un mode AT. Le deuxième mode de communication, c'est D1D0. Dans ce cas, on se connecte directement au port TX et RX, donc D0 et D1 de l'Arduino. Les autres modes sont D3, D2, D9, D8, D11, D10. Pour ces modes, il faut configurer un software serial, donc une communication software, pour la lier au pin D3, D2, D9, D8 ou bien D11, D10 de l'Arduino. Maintenant, il nous suffit seulement de connecter ou bien de plugger notre shield à notre Arduino. Voilà, notre XB maintenant est parfaitement connecté. Nous allons maintenant l'alimenter et la connecter à notre PC. On a choisi le mode USB-USB pour pouvoir la configurer.
Si vous voyez que la LED est en train de clignoter, cela veut dire que tout est OK et que l'on peut configurer notre module. Une autre possibilité de connecter ou bien de configurer notre module Xbee est d'utiliser un adaptateur comme celui-là. Donc, c'est un USB UARTB de chez Seed Studio. Donc, pour l'utiliser, il y a deux méthodes. Soit on va utiliser les pins qui sont à ce niveau. On a notre TXRX, le ground, VCC, deux types d'alimentation dans notre cas, c'est 3,3 volts ou bien 5 volts, qu'on peut sélectionner à ce niveau. Il faut prendre en considération que la Xbee fonctionne avec 3,3 volts. Donc si on alimente à ce niveau avec du 5 volts, il faut être sûr que notre sélection est sur 5 volts. OK. Ou bien via une liaison USB directement à ce niveau. Et c'est le mode qu'on va utiliser pour cette vidéo. Donc, on prend notre module Xbee qu'on relie et qu'on connecte à notre adaptateur. Il suffit maintenant de le connecter par USB à notre ordinateur. Voilà, notre module est connecté. On a ici un bouton reset qu'on peut appuyer pour remettre à zéro notre Xbee. On est connecté et on peut maintenant configurer notre module Xbee. Une fois la phase de connexion entre le module et le PC effectuée, il faut entrer en mode AT. Cela en utilisant un hyperterminal et en entrant trois fois le caractère plus. Nous allons maintenant voir la syntaxe des commandes AT. Pour lire les paramètres du module Xbee, on doit taper la commande AT correspondante et taper sur Entrée. Au contraire, pour modifier un paramètre du module Xbee, il nous faut en premier lieu taper la commande AT, suivie de la nouvelle valeur du paramètre en hexadécimal, et pour finir, on tape sur la touche Entrée pour valider. Il faut se rappeler que les modifications que l'on apporte sur le module doivent être enregistrées avant de débrancher le module, cela par la commande ATWR. Et qu'il faut quitter le mode AT avant de débrancher le module, cela avec la commande ATCN. Pour finir, en cas de problème, pour revenir ou bien restaurer le module aux paramètres par défaut, il faut taper la commande ATRE. Avant d'aller plus loin, nous allons maintenant voir quelques commandes AT qu'on va utiliser pour configurer nos modules. La première commande est ATCH, qui donne ou bien modifie le canal de communication utilisé entre les modules. Par défaut, elle est configurée à C. L'autre commande est ATID, qui donne l'adresse du PAN, ou Personal Area Network. Il faut que cette valeur soit la même pour tous les modules pour qu'ils puissent communiquer entre eux. On a aussi la commande ATDH qui, elle, modifie ou bien lit les 32 bits MSB de l'adresse du destinataire. Et nous avons aussi ATDL qui modifie ou lit les 32 bits LSB de l'adresse du destinataire, avec une adresse de broadcast qui est définie par FFFF. ATMY donne l'adresse du module.
ATCE active ou désactive le coordinateur. Il est à signaler que pour un réseau, il faut au minimum un coordinateur. Si sa valeur est de 0, le nœud est un end device, donc c'est un nœud transmetteur. Si sa valeur est 1, le nœud est un coordinateur. On a aussi la commande ATEE qui active le chiffrement ou cryptage qui utilise l'algorithme AES. ATKY affiche ou bien modifie la clé de cryptage qui est faite de 32 caractères. La commande ATAP permet de modifier le mode de fonctionnement du module du mode AT au mode API. Si la valeur est 0, on est en mode AT. Si au contraire la valeur est supérieure à 0, donc 1 ou bien 2, on est dans le mode API. La commande ATNI, quant à elle, donne ou modifie le nom du module. Et pour finir, la commande ATBD donne la vitesse en baud de la liaison. Vous avez dans le tableau quelques valeurs correspondantes aux paramètres pour plusieurs vitesses usuelles. Pour commencer à utiliser nos modules, il nous faut maintenant installer un logiciel d'hyperterminal pour communiquer avec eux avec une liaison série. Nous avons choisi d'utiliser le logiciel Minicom qui est usuellement disponible sur les systèmes Linux. Vous pouvez, si vous utilisez un autre système tel que Windows, utiliser par exemple le logiciel Beauty. Pour installer le programme Minicom, il suffit de taper sudo apt install minicom. On introduit le mot de passe et l'installation s'effectue. Avant de pouvoir l'utiliser, on doit vérifier que nos modules sont connectés à notre PC. Cela par la commande ls/dev. Comme vous pouvez le voir, on a un module qui est connecté sur TTY-ACM0 et l'autre sur TTY-USB0. Maintenant, il nous faut configurer Minicom, cela avec Minicom-S. On arrive sur la page de configuration de Minicom. Là, on va choisir configuration du port série. Puis, on doit taper sur la lettre A pour définir le port série, donc notre cas TTY-ACM0, et puis Entrée. Après cela, il faut taper sur la lettre E qui correspond au débit de communication. Quand on tape E, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. On va choisir C pour la vitesse de 9600 baud. On tape sur Entrée. Voilà, tout est configuré. Maintenant, on va aller sur Sortir. Et là, nous sommes connectés avec Minicom. Pour avoir un aide ou bien un résumé des commandes de Minicom, on peut utiliser donc CTRL-A et puis la lettre Z qui va ouvrir ce menu. Ici, on va choisir E pour local echo pour pouvoir voir ce qu'on tape. Et une autre commande usuelle, c'est bien l'initialisation du modem en cas de déconnexion. Et cela se fait avec M. Donc à chaque fois, il faut taper CTRL-A suivi de l'une de ces lettres. Nous allons maintenant essayer d'entrer en mode AT. Cela par 3 fois plus. On a une réponse. OK, nous avons pu entrer en mode AT. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons réaliser une petite configuration pour les deux modules qui sont directement connectés à notre PC, mais qui vont communiquer sans fil entre eux. Pour cela, on va ouvrir deux fenêtres, chacune avec un hyperterminal qui correspond à un des modules, et on va premièrement les configurer un à un, et ensuite on va transmettre des données directement, donc des caractères entre les modules. Pour commencer, il nous faut configurer le module qui est connecté à notre Shield Arduino, qui est connecté sur TTY-ACM0. On entre en mode AT, puis on va configurer le canal de communication suivi par l'ID du PAN, donc du réseau. Après cela, on définit l'adresse de destination à 1001 et notre adresse à 1000. Il nous faut maintenant définir le module comme étant un coordinateur avec ATCE égale à 1. Là, il y a eu une petite déconnexion. Donc, on fait CTRL-A suivi par Z et on va taper sur M pour rentrer encore une fois en mode AT. On va modifier
le boot rate à 3 pour 9600. Et bien sûr, on va donner un nom à notre module qui est 1, WR pour enregistrer et CN pour sortir du mode AT. C'est tout pour la configuration du module qui est connecté sur le sheet Arduino. Maintenant, nous allons attaquer le module qui est connecté à notre adaptateur USB. Grosso modo, on fait la même procédure. La seule différence concerne les commandes AT, DL, parce que là, l'adresse de destination est 1000, alors que ATMY, l'adresse correspond à 1001, parce que notre module a une adresse de 1001, si vous vous souvenez bien. Maintenant, nous allons aussi modifier le nom du module. On va lui donner le nom de module 2. On enregistre avec ATWR, puis ATCN pour quitter le mode AT. Maintenant, nous allons tester la communication avec deux fenêtres. Et comme vous pouvez le voir, chaque fenêtre correspond à un module. Et si on écrit sur la fenêtre du haut, il y a un écho direct dans la fenêtre du bas, ce qui confirme le transfert de données. De la même manière, si on écrit dans la fenêtre du bas, qui correspond à un autre module, il y a un écho dans la fenêtre du haut, donc le transfert s'effectue sans problème. Voilà, c'est tout pour le mode de fonctionnement avec la ligne de commande. Nous allons maintenant aborder la configuration et l'utilisation du logiciel XCTU. Pour installer le logiciel XCTU, il faut aller sur le site du fabricant du module XBee qui est www.digi.com, aller dans Product, puis choisir la catégorie XBee FR Solution et là vous trouvez XCTU Software. Là on clique sur Download XCTU. Il y a plusieurs versions qui correspondent à plusieurs systèmes d'exploitation. Dans notre cas, on va télécharger la version qui correspond à un Linux X64. Là, il y a un petit formulaire. On va dire non pour le moment. Et on enregistre. Pour l'installer, il faut se positionner dans le répertoire de téléchargement. Là, on va changer le mode d'exécution de l'archive en la mettant en exécutable. Voilà, l'archive est maintenant exécutable. Il suffit maintenant de l'exécuter pour lancer l'installation. Donc, c'est une installation classique. À ce niveau, je vous conseille de choisir ou bien de créer un répertoire dans lequel installer votre application. Comme ça, vous pouvez contrôler le contenu du répertoire et toutes les modifications qui s'y font. Donc, je crée un répertoire XBee, à l'intérieur duquel je crée un autre répertoire que je nomme Digi. Et là, je lance l'installation. Un petit warning, c'est pas important. Voilà, notre XCTU est installé. On va maintenant le lancer. Voilà, le logiciel est prêt à être utilisé. On vient de brancher notre module sur TTY-ACM0 et on clique sur Recherche de module ou Discovery Radio Device. Là, on fait quelques configurations pour le mode d'utilisation. Il est en mode AT, OK. Il correspond à un coordinateur. En cliquant dessus, on ouvre la configuration totale du module. Et comme vous pouvez le voir, les valeurs correspondent aux commandes AT. Par exemple, CH correspond à ATCH. ID correspond à notre identifiant du PAN. Si on clique sur le petit i, il donne plus d'informations sur à quoi correspond cette commande. On peut voir aussi, par exemple, ici, coordinateur.
en cliquant maintenant sur cette petite partie, on peut se connecter en série avec notre module pour recevoir ou bien envoyer des données. Maintenant, on va le configurer pour notre test, donc on va le mettre à 1.1.1 ou bien 1, 2, 3, 4 précédemment, mais là on va le mettre en 1.1.1. On change les adresses et on détermine comme étant un coordinateur. Et puis il faut cliquer sur Rewrite pour enregistrer les valeurs sur le module. On fait la même chose pour l'autre module qui est sur l'adaptateur USB. Maintenant, nous avons les deux modules qui sont configurés, comme vous pouvez le voir, et connectés en même temps. Donc, on va choisir le module USB qu'on va utiliser comme récepteur. Donc, il va recevoir les caractères ou bien les données qui vont être envoyées depuis le module qui est branché sur le Shield Arduino. Donc, on change l'adresse du PAN, on se met en mode serial et on se connecte. Et là, on doit attendre les données envoyées. On peut utiliser directement le port série de l'IDE Arduino, comme vous pouvez le voir. Donc, quand je tape Hello, Entrée, voilà, l'information est transmise. Elle est affichée en caractère clair et en hexadécimal. Le test de transfert de données est concluant entre les deux modules. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de la manière de configurer les modules Xbee avec en mode AT et comment les utiliser avec un simple programme de chat entre les modules. Dans nos prochaines vidéos, Inch'Allah, nous allons aborder le mode API qui est un mode plus puissant car il va nous permettre de programmer nos propres trames et on verra ça en utilisant le langage de programmation Python. D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à donner un like, donc un pouce bleu à notre vidéo si elle vous a plu, et à interagir avec nous via nos réseaux sociaux. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.